Ok, donc mon rouleau, lui, je te rappelle, il ne faut pas que tu sois... je vais le mettre plutôt légèrement ici, que ça tape un petit peu ici. Je vais graisser mon rouleau et je te fais voir l'action mécanique. En sachant que le jet roller, je l'ai en bout de bras. Je suis à 3,20 m sous plafond. Donc je l'éloigne. Tu vois ce qui se passe quand tu mets trop ton... Quand tu mets ton jet roller juste à fond, tu vois, mon jet roller est mis à fond, eh bien, ça vient graisser que l'intérieur de l'eau. Par contre, si tu l'éloignes, ça va graisser beaucoup mieux. Ça va graisser un peu plus large. Voilà. Allez, on va essayer. Oh, je suis pas là. J'ai du mal. Alors là, j'ai du mal, je suis beaucoup trop petit. Voilà. Et donc, je vais utiliser l'action mécanique du rouleau pour venir lisser mon plafond. Alors là, il n'y a pas de reprise, tu le fais dans un seul sens. Ouais, je dirais même que je suis un peu petit là. Je suis trop en bout de bras. Bon, mon rouleau commence à être chargé seulement. Merci aussi, je voulais remercier la société Mecabat qui m'a prêté ce matériel et faire un petit coucou à Stéphane, mon commercial. Donc je commence par mes réchampis. Le rouleau. Donc je monte mon rouleau dans le bon sens et je l'amène au maximum le plus loin possible de ma buse. Tu vois, je dirige mon rouleau, mon jet sur mon rouleau, mais pas pile au milieu. Aujourd'hui j'ai fait un bon réglage parce qu'il y a très peu de brouillard. J'ai pas mis mon masque parce que je vais te parler. Et puis en plus de ça, aujourd'hui la bonne nouvelle, tu vois, c'est qu'il n'y a pas d'eau. Le plombier est passé, il a enlevé les radiateurs, c'est bien. Mais il n'y a pas une goutte d'eau, donc je n'ai pas dilué avec une goutte d'eau et j'ai rien du tout pour m'essuyer. C'est pratique! Dans le sens de la lumière de la pièce. Ouais, tu vois tout ce qui est derrière. Ça permet de faire des choses. Ok. Allez, mixage.
extrêmement pacifiant, très mouvant. Et je viens de laisser. Est-ce que tu crois qu'il y a besoin de rouler ? J'ai l'impression que non. J'ai l'impression qu'on n'a pas besoin de rouler. Ah, peut-être ici, tu vois, pour pouvoir boucher ces trous-là, il vaudrait mieux rouler. Bon, donc je vais rouler. Alors, tu peux faire le champi sans enlever le jet roller. Allez. C'est nettement mieux roulé. Je trouve que le Rotanil, là, je trouve qu'il dépose très très bien. Bon, c'est pas vraiment déposé puisque c'est l'airlace qui dépose. Mais je trouve que c'est particulièrement adapté. On essayera l'autre tout à l'heure. Je ne serais pas parti sur ce genre de rouleau, je serais parti sur un microfibre. C'est chouette! Est-ce que t'es bien cadré? Ouais, c'est pas mal. Cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Pour voir la suite, c'est ici. Pour voir la playlist complète, c'est là. Et évidemment, abonne-toi, c'est juste ici. Salut!